Un an déjà presque nous finissons nous première vague de, de Covid, de coronavirus à Maurice, avec un lockdown qui dure durer six semaines. Aujourd'hui, mon pape contester la décision du gouvernement de réimposer un lockdown, un confinement à Maurice. Toutefois, mon cousin dire mon colère avec la brutalité avec laquelle ce confinement-là a été imposé sur la, sur la nation. Avec seulement quelques heures de, de préavis, qu'au d'après, nous finissons trouver que la, euh, la, euh, la population finit paniquer. Et dans les affaires de Covid, ce qui est besoin qu d'éviter, c'est panique population. Parce que quand nous panique population, l'air la même il a beaucoup de gestes donc dangereuses que la population prend en oubliant bien sûr les gestes barrières. Donc, il paraît là que le gouvernement finit au dernier moment et finis, euh, euh, impose un confinement à, à, presque avec effet immédiat. Et ça, il paraît que c'est le modus, modus operandi, mode d'opération de ce gouvernement-là. Qui nous capable de dire, avec sa crise qui peut frapper le pays-là. Et là, on me bien cause, avec le recul, qui ça quelques jours-là fin de nous, parce que ça fait déjà le 5 mars, qui finit le premier, premier cas. Vous pensez là qu'autre gouvernement fait une faute et une grandement, c'est qu'il impose une interdiction de regrouper en grand nombre à partir de ban premier cas. Et là, Rossy Baden bien expliqué, c'est qu'il nous trouve au lieu que le gouvernement step in pour prendre sa responsabilité et donne ban consignes, direction et ban interdiction nécessaire, c'est ban socio c'est ban l'église qui fait une vine de l'avant pour interdire, pour, pour canceler pour nos regroupement de personnes. Il est clair aujourd'hui que si à l'époque, dans le premier cas, le gouvernement qui vient de l'avant avec une consigne, par exemple comme on en a en Angleterre, qui pas plus que six personnes, qui se joignent dans un seul bâtiment, dans un seul groupe, si nous imposons ça, nous ne pour aujourd'hui dans ce sa, dans sa problème-là. Donc, chapeau euh, bas à Ban. Et à ban chapeau-ban euh, ben, euh, et ban église et blâme au gouvernement pour ce retard dont impose au moins ban regroupement conséquent de personnes. Et mon bien dire aussi qui euh, qui me prend maintenant euh, toute la question de notre préparation depuis un an. Qui Maurice finit qui gouvernement finit faire vraiment pour préparer à une seconde vague qui, après tout, on pensait bien prévisible. Bien prévisible. Comment on nous connaît gouverner, c'est prévoir. Et ici, nous rentrons un petit peu dans le détail. Première affaire, ça 50 respirateurs qui finissent acheter de pack and blister à grand frais. Depuis très longtemps, nous connaît qu'ils ne sont pas opérationnels, qu'ils ont une pas en d'origine même là-dedans, et qui pas pour caresser ses visuels. Quel gouvernement fait faire pour remplacer sa 50 respirateurs qui n'ont pas fonctionné là Rien. Donc, jusqu'à présent, nous avons une grosse commande de respirateurs, il nous coûte beaucoup de casse, pas marché, et pas fini de remplacer sa bande respirateur respirateurs là après un an. Seconde affaire, vaccin. Là, je veux bien dire que le gouvernement n'est pas parfaitement au courant de la nécessité de précommande de ben vaccins pour protéger ban Mauriciens. et là nous fin une négligence criminelle une erreur de stratégie grave qui finit amène aujourd'hui à sa lockdown et à sa crise de Covid là parce que tout ban gouvernement qui ne réfléchit tout ban gouvernement compétent fin réaliser qu'il besoin précommande chez plusieurs producteurs de vaccins c'est un nombre de vaccins en espérant qu'après quelques mois, ça ait au moins ça de vaccin-là pour approuver et pour capable livrer dans le pays. Beaucoup de pays ont fait L'Angleterre, l'Europe, l'Israël, beaucoup, beaucoup de pays, l'Australie, fait une précommande de un vaccin. À Maurice, quand moi tu pose question en août 2020, c'est-à-dire huit mois de cela, et je me disais ministre Jagatpal, qui est précommander. précommandé, parce que l'Angleterre, à l'époque-là, a fait une précommande. 400 millions de roupies, 400 millions de vaccins, de doses de vaccins. Ils moquent de nous dans le Parlement. Ils rient nous. Tout, la, tout le Parlement riait, moque de l'opposition, alors qui nous tiennent totalement raison. Et aujourd'hui, nous nous avec un manque dramatique de vaccins. Nous, on euh, le exactement. Pour nous capables de vacciner 70% de la population, nous avons besoin de 1,8 million de doses de vaccins. Jusqu'à présent, à Maurice, nous recevons deux 200 000 doses seulement. Nous avons encore quelques centaines de milliers qui peuvent venir. Oui, oui. Nous aucune éducation quand nous arrivons à sa 70 à 1,8 million de doses qui est absolument nécessaire pour nous capables de dire que nous pouvons commencer être, à être, être protégés du covid 19. Donc, nous avons là un gros fossé à remplir en termes de vaccins. Et Maurice, c'est pas un pays pauvre. Maurice limite-le quasiment à la facilité de COVAX, qui est crée principalement pour un pays pauvre, Côte Maurice pourrait recevoir pour 20 de la population seulement, au lieu de ses 70 qui nécessitent. Après, il ne s'étale la main par ici, par là-bas. Heureusement, et nous remercier le gouvernement Laine qui fait, une, fait un don de plusieurs centaines de milliers de vaccins, mais il n'est pas pour suffisant. Pas oublier qu'il l'aime aussi, c'est une grosse, grosse population de plus d'un milliard de personnes. Et il a droit, aussi, euh, et garder son vaccin pour sa propre population. Et c'est à cause d'un manque de prévoyance ici à Maurice que nous paie ça problème de vaccin. Là. Et là, tout à l'heure, à la fin, vous pouvez passer une vidéo de Jagatpal, qui peut dire, ensemble avec sa docteur Gola, qu'il n'y a aucune urgence. C'est quelques mois de cela. Qu'il peut dire, qu'il n'y aucune urgence à Maurice pour vacciner la population. Il aucune urgence. De ce fait, je ne précommande pas le vaccin. Je ne commande pas même vaccin à Port-Covax. Et de ce fait, je donne un message incohérent à la population que je devais dire à la population l'urgence pour vacciner et nous nous trouvons donc au début de sa campagne de vaccination là la population une capté ce que sa ministre là et sa docteur là dire et beaucoup de mauriciens pas fin à le vacciner et c'est aujourd'hui quand finit de sa crise de covid là qui banjo Moon fait gros laquets pour vacciner donc nous pas capable continuer avec Subir l'incompétence de Jagatpal et et du docteur Go. Ce qui fait une erreur de stratégie monumentale quand ne pas fait une commande de vaccins à l'heure. Aujourd'hui, quand nous avons 100 000 doses de vaccins présents pour une finir, nous avons encore un grand problème à l'île Maurice. Et besoin veux dire qu'il y a de pays fort comme l'Israël qui finit fini vaccine 60 de sa population avec une première dose. L'Angleterre a fait une vaccine de 30 millions de sa population. C'est celle aussi, un petit pays qui est bien, bien avant nous dans la vaccination. Donc maintenant, je remercie l'AN pour son et moi que, que la République indienne continue de faire un peu de sacrifice pour Maurice et de nous en Coimpe. Mais je ne trouve pas. Côté les autres pays amis de Maurice était, on pas trouve, côté les autres grands pays qui finissent amis de Maurice finissent, et jusqu'à présent, mon pas trouve aucun pays qui peut venir de l'avant pour aider nous avec ce ban de vaccins, parce qu'il y a beaucoup de pays qui acheté vaccin en surplus de autres de euh, nécessités. Et là, tout l'affaire, le point que je peux dire, le fin arrive dans sa situation de manque éventuel de vaccins à Maurice par négligence du gouvernement. Pas seulement par négligence, pas seulement nombre de vaccins, mais le vaccin lui-même. Et nous tous connaissons qu'il y a un point d'interrogation concernant l'efficacité de ce vaccin-là pour l'affaire, pour le virus sud-africain. Et nous bien connaissons aussi qu'il y a encore un manque de prévoyance. Jusqu'à présent, d'après l'information qui tout du monde non, c'est qu'il n'est pas capable de faire séquenciation. Ici à Maurice, nous payons l'appareil nécessaire pour faire séquenciation et Saban a gagné depuis le 5 mars. Personne n'est capable de connaître si c'est le virus normal, si c'est le variant anglais, si c'est le variant sud-africain ou bien même le variant brésilien. Personne n'est capable de connaître. Il est extrêmement grave. Il prend un sample puis envoie de haut, et envoie des eaux et c'est dans plus d'un laps de temps considérable qu'il est capable de connaître qui. Vraiment, voyons, nous, non, ici. L'autre ah. affaire, moi, bien votre ministre Jagat hier peut taper sur l'estomac comme s'il n'y pas monté pour dire que seulement que 2600 tests sont faits dans le de vaccination depuis le 5 mars. Ce qui veut dire environ 400 tests par jour pour un pays, Maurice, avec 1,3 million de population. C'est absolument ridicule. Le nombre de tests qu'il peut faire il est bien bien au-dessous de ce qui est nécessaire pour nous connaître vraiment l'étendue du COVID à Maurice. C'est une la honte qu'il y ait un ministre Vindiaou, qui peut faire 400 tests par jour dans un centre de dépistage, dans un flou clinique, alors qu'il nous connaît, qui utilisait une dizaines de milliers de tests depuis le 5, le 5 mars pour connaître vraiment l'étendue du COVID à l'île Maurice. En plus, moi, mon avis connaît qui quantité de tests finastés, qui quantité de tests finastés à part de tests PCR. Et non aujourd'hui, a ben, le pays qui fait stock beaucoup même ban self-testing kits qui sont capables de donner la population gratuitement, de donner aux écoliers gratuitement pour se tester eux-mêmes avant d'aller à l'école. Ça a été développement afin de gagner dans la technologie médicale depuis un an. Et moi je vie à Maurice tout tous ces type de tests qui existaient. Et non, c'est un très rapide. Et non, c'est un bien sûr rapide, mais moins précis, mais qui existait quand même. Moi, je vie connais que le gouvernement fin fait pour protéger la population. Donc, nous connaît' Il pas commandement de vaccin. Il pas fin remplace ce masque respirateur qui pas marché, Il pas fin acheté euh, équipement de séquenciation. Et il pas financé par self-testing kits qui la population est capable de servir pour tester nous-mêmes. Maintenant, il reste une dernière affaire au niveau de la préparation. Et tout ça, une question-là, nous pouvons exiger que euh, jacques Pall et que son équipe répondent. C'est au niveau de médicaments qui est non stocké à Maurice pour des cas qui peut empirer. Et là, on peut des médicaments de pointe tels remdesivir dexametason, monoclonal ban, ban monoclonal et un autre médicament appelé Vimab. Donc tout ça là, c'est pour renseigner nous, c'est certains qui existaient depuis longtemps, c'était c'est un qui médicament qui peut servir et nous bien connait c'est pas le ministère de la santé et non ça ban, ce médicament là en stock et il est capable de redonner le Mauritien si jamais il y a un cas qui Donc voilà, et je finis par ceci. Je trouver là qui comme pas hasard, un tas de Comment le confinement est arrivé, un tas de En comment montrer le manque de prévoyance de ce gouvernement-là, une mise en garde qui est l'opposition et la nation. N'a pas pour ça qui a été coquin, ça qui a été malpropreté, ça qui a été corruption. Fin gagné. quand fin gagne première vague et fin gagne achat de plus de 1,2 milliard de roupies. Et comme on me dit, l'autre jour, nous pouvons attendre rapport au directeur de l'audit qui peut venir dans quelques jours. Donc, pas de pa mon message aussi. C'est à la population. Il y a plein de rumeurs qui circulent concernant une euh, bah, augmentation de la sévérité du lockdown. En entendre ce que le gouvernement peut faire, pas cèder à la panique. Parce que quand nous cédons à la panique, les même qui nous vraiment, nous, nous prend un geste dangereux, nous regrouper, par, par exemple dans ma station feeling, nous regrouper, par exemple dans la boutique, dans ma boulangerie dans un supermarché et nous mettre nous-mêmes et nos familles en danger d'attraper le COVID. Donc, s'il vous plaît, la population mauricienne n'a pas cédé à pas nous de panique, à et nous gâter. Et là, j'espère aussi que le gouvernement pour prendre en considération et mettre un équilibre entre le désir et le besoin de protéger la population contre le COVID et les besoins de la population de vivre. De vivre, de vivre tout court pendant cette période-là, de s'approvisionner et, et, et de nourrir la famille et de se soigner et de faire tellement d'autres choses qu'ils ont besoin de faire pour être capables de survivre. Donc, il y a un équilibre à avoir en empêcher la covid de la propager et les besoins fondamentaux, urgents d'une population. Et surtout, parfait, comment faire quelques jours de cela, donne-nous préavis de plusieurs heures, même d'un jour, avant qu'il n'y ait aucune décision, aucune mise en pratique. Ça, c'est ce que je me à dire. Mon écoute hier, à la, 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 la conférence de presse de M. Padayati, et il a plusieurs commentaires à faire. La première chose, qui fait une petite ban self-employed, on dirait d'une façon aussi dérisoire, on dirait pas ben mendiant, et d'un autre... 2 550 roupies seulement comme compensation pour deux semaines. N'importe qui là qui habite Maurice, réalisé, qui n'est pas capable de vivre avec 2 500 rupies, 2 550 rupies et nourrir ou famille, même pour deux semaines, c'est une moquerie, une insulte qui nous fait avec ban self-employed. Et là, je trouve ça totalement inacceptable d'un pays qui soit disant, oui. envie vie encourage l'entrepreneuriat, envie vie encourage du monde de faire son propre business. Et voilà, donc, qui nous très ban self-employed de cette façon aussi insultante, surtout quand nous réalisons que ça fait un an déjà qu'il beaucoup, beaucoup de self-employed, pas de travail, pas serrer ceinture, pas souffrir, notre famille peut souffrir, notre famille va plus et vivent comme un bizin. Et là, aujourd'hui, nous payons peser de travail et en même temps, nous payons une somme très dérisoire comparée à ce qu'il nous paye pas donner notre il y a un autre point qu'il est fait de soulever, il me besoin faire ressortir pour les Mauricien, il peuvent taper l'estomac par pour dire qu'il n'a pas 13,4 mois de réserve la Banque de Maurice et 13,4 mois de réserve. Moi besoin explique, Mauricien qui était sa banque réserve. Ban réserve, on dirait une garde en compte la banque ça. Une garde un compte la banque et dans sa compte la banque là, il n'est suffisant qu'à dans sa compte la banque là. Mais comment nous tout connaissons et dans deux façons nous sommes capables de gagner l'argent dans nos comptes de la banque. Premièrement, nous créons li nous-mêmes, c'est nos propres savings, nous versons dans sa compte de la banque là. Ou bien, nous avons un code famille, nous avons un code nous avons un code et nous prenons casse prêté. On nous prend casse prêté, nous réversons dans sa compte de la banque là. compte de la banque là, il augmente par deux façons. Nous savings », et ben, nous empruntons qui nous une faire. Oh, Maurice. Depuis quelque temps, et c'est ça la raison qui fait au, euh, réserve faux, c'est que Maurice, depuis quelques temps, il prend énormément d'emprunt à l'étranger. Et chaque fois qu'on prend un emprunt en réserve, un, un devise étrangère ou réserve augmentée, le film prend 300 millions d'euros, 12 milliards de roupies, de l'Agence française de développement, de développement. Le film prend 30 millions de rennes, c'est-à-dire 10 milliards de roupies, depuis Japon. Et le film prend 100 millions. 100 millions de dollars, c'est-à-dire 4 milliards de roupies depuis l'Inde. Donc, nous prenons énormément d'argent prêté et ça, c'est la raison principale qui fait que nos banques une réserve encore correcte. Nous n'encontrons nous compte la banque, mais nous perdons du monde des hauts énormément. Et c'est pour ça raison-là qu'ils nous disent une baisse, nos notations, zis, on dirait en danger de devenir un jour junk status. Et c'est pour ça raison-là qu'ils nous disent... Une baisse, nous, notation, et, et dire qu'ils mourissent donc sur l'économie en danger. Un dernier sujet, c'est le Parlement. Rappel du Parlement. Sa question-là, été soulevée par Avin Boulay, par deux personnes récemment, et lie, interpelle nous. Et non, plusieurs commentaires que je suis content de faire. Première affaire, l'hémicycle n'est pas au nombre acceptable pendant COVID. Tout le monde connaît. Qui est acceptable pendant le COVID, c'est 1 mètre à 2 mètres de distanciation sociale entre les gens. Moi, par exemple, je suis Patrick Asté, baden juste devant moi, ici, là-bas, partout, du gens euh, qui, euh, qui tout et pénant, donc ça, 1 à 2 mètres de distanciation. Ce Seconde affaire, je veux dire, c'est que beaucoup de députés, moi-même en particulier, nous faisons faire un ban vaccin. Et ça va un bon, vaccin AstraZeneca. Je prends 21 jours pour livrer une vraiment effective. Troisième affaire, nous besoin dire aussi, oui, nous ne oui. pas connaître le variant, nous ne vous pas si si ce vaccin-là est effectif, est efficace contre ce oui. variant là. Donc, depuis le début de l'année dernière, moi, je demande le gouvernement travaille sur un modèle de parlement virtuel. Quand partie euh, parti, oui. le député venir et une autre parti suivre comment on peut faire aujourd'hui, par exemple, par Zoom, intervenir par Zoom. Je finis déjà mon corps avec un député, Rodriguez qui finit par intervenir quelque temps de cela à, à, à travers euh, l'Internet dans le Parlement. Donc, nous revenons à la question de, de comment un Parlement est capable d'opérer dans une crise sanitaire. Et cette question-là, encore une fois, manque de prévoyance, fait faire exprès, on ne connaît mais il y a encore inefficace, insuffisant, situation que nous qu'on été. Malgré cela, nous pouvons insister que le Parlement reprend au moins, au plus tard, Monsieur au plus tard le 23, quand il était supposé joindre, le 23 mars, donc dans moins de deux semaines. Il est clair pour nous qu'il nous a absolument besoin de joindre, qu'il nous a besoin joindre, mais nous besoin de joindre. Avec un agenda spécial, un, un special order paper qui peut capable de prendre une question parlementaire concernant la crise, mais aussi qui nous a un débat interactif avec le gouvernement, le le Covid et tout ce qui entoure le Covid et toutes les questions qui m'ont fait soulever ce matin avec vous, les absolument nécessaires, les absolument important et nous pouvons insister qu'au plus tard, donc, au plus tard, dans 11 jours, le 23 mars, le Parlement joigne et qu'il joigne malgré pas bon de risque qu'il capable de comporter. Bien sûr, il y a pas de camarade qui est capable de parlementaire, qui est capable de choisir rester à la maison et intervenir par, 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 par voie digitale, mais il est extrêmement important qu'il nous joigne et qu'il nous mette, gouvernement, devant sa responsabilité. Dans l'affaire Covid, mais faut de dire qu'il a, dans la crise qu'on a été l'opposition, est là pour bien sûr mettre le gouvernement devant son responsabilité, mais aussi bien sûr offrir tout conseil qui est nécessaire pour qu'il nous capable arrive la population capable arrive à bon port. Seulement, c'est un gouvernement têtu, un gouvernement qui n'écoute pas écoute conseil qui donne les. À la fin donc. De sa, de sa intervention. Après, on prend une question, mon camarade. Et j'espère que euh, ça joue correct, que tout le monde ait récit suivi. Je suis content félicite tout le monde décoré de l'île Maurice, de la, de, de, de la nation aujourd'hui. Je euh, suis content souhaite bonne fête à tous les Mauriciens, bonne fête de l'indépendance. Et je veux dire que malgré tout ce qui peut passer, les Mauriciens nous fait un récit survivre, nous font un récit surmonte, tout le bon problème de fin de gagné et mon en doute qui nous capable retrouve retrouver nos, 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 nos qualités de vie d'antan. Donc, garde l'espoir, n'a pas passé de la panique et bon courage tout tous bon mauricien Mauriciens à travers la presse pour ce bon moment difficile qui nous peut passer là. Voilà, je ne sais pas s'il y a un petit peu spécial pour nous faire, mais si les bon camarades pas de questions, avec plaisir, est capable d'intervenir. Oui, s'il vous plaît. Oui. Totalement. oui, oui, bien sûr. Oui. Euh, a euh, le speaker, faut il faut qu'il y ait une décorée. Pour oui. qu'il ait fait une décorée, Vous fait hein? Vous connaissez, nous gros, beaucoup là. réserve dans la euh, manière qui l'Assemblée nationale finit d'anquiller et la démocratie parlementaire finit de Mais aujourd'hui, moi pas, moi, pas euh, envie de rentrer dans ma considération personnelle. Laisse-nous aller comme ça même. À votre avis, Fernando Demas, pour le défi média. Oui, Fernando. Oui. À votre avis, comment cette deuxième vague de COVID-19 qui bise bizarre est taclée par le gouvernement, par les autorités Je reprends un petit peu Fernando pour dire que pour moi, nous moi, ne moi, pas capables, au premier signe, de nous rendre dans le lockdown et de nous fermer partout. Mais, avec recul, L'erreur qui vient par arriver coûtent une foudre, comme la phrase dit. C'est que quand la fin de premier qu'à la fin de l'année, tu un rassemblement. Tu besoin bien bien sévère pour empêcher pas un gros rassemblement. Et c'est ça que le gouvernement va ne faire. Nous connaissons que tu non et, et et une fête religieuse et en quarantaine et non et dans Malgré cela, le gouvernement a besoin agir avec courage, fin laissé dans la main par l'Église. Avec les socioculturels et ça, gros l'erreur qui vient permettre prolifération. Donc, mec, par, rapport à, par rapport à la vaccination, est-ce que vous pensez qu'il faut arrêter? Euh, oui, euh, exactement. Euh, moi, 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 je comprends qu'il faut premier premier problème, puis arrêter la vaccination pendant quatre jours. Ça, je pense que c'est bien condamnable parce que tous les efforts qu'il faut faire pour continuer la vaccination. Et aussi, je veux dire que tous ces milliers de personnels qui ministrent la santé et non, je peux faire jusqu'à 400 tests par jour. C'est une la honte. Donc, il y a des affaires qui nous continuer et des affaires qui pour sauver nos pays, c'est vaccination avec avec euh, tests euh, PCR, mais aussi bien sûr, nous besoin nationaux qui nous met qu des médicaments en stock pour les gens qui nécessaire et qui nécessite un traitement intense. Et aussi, bien sûr, le gouvernement vous avez dire aujourd'hui combien de respirateurs, il y en a, un ben, 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 euh, chiffre euh, peut paraître, peut prendre l'ascenseur comme une fusée, dire, comme, peut monter comme une fusée, est-ce qu'il ou pas en, en risque d'un shortage de lits d'hôpital avec ben, l'équipement respiratoire si mm -hmm. nécessaire euh, Une question, s'il vous plaît. Étonnement là Oui, Et Ça va milliards, quoi, 11 plus 4 plus 10 milliards qui ne peuvent prêter là. Mais est-ce que le gouvernement va baisser ça pour financer balance des paiements C'est-à-dire, qui Et peut faire bon. que ça casse là Vous bon, trouvez, d'un côté, l'IPP puise depuis la Banque de Maurice. Pourquoi 158 millions de roupies, il prend des réserves de la Banque Maurice pour les finances gouvernement, pour les finances toutes les bonnes affaires. <laughs> L'autre côté, l'IPP prend belle l'empreinte. Et c'est ça donc qui peut débalancer nos nous, ben, ben, euh, perspectives économiques et qui, du ben, 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 monde peut commencer à perdre confiance dans l'île Maurice. Et, dans, premièrement, dans la, dans la capacité de la Banque de Maurice, Protège nous roupie et, et dans la capacité, un jour, du pays de rembourser à Ban qu'il qui nous fait prend là Et c'est pour ça que les gens nous disent, je dire, que... Euh, Paix à petit, dit confiance dans Maurice. Okay, tu prends une dernière fois, oui. une dernière de conférence de presse. Ouais, mais, mais il peut dire qu'il prend ça, le Japon, on dit, pour financer la sécurité maritime, etc. L'Inde pour métro. Mais est-ce qu'il est bon, là, là le CMI, ça là pour finance euh, d'étudier, c'est-à-dire balance des paiements Vous connaissez euh, de, de, de niveau d'endettement de, quand on est arrivé le gouvernement-là ne paraît pas comprendre et continue à emprunter pour ce ban de projet. Et ce ban projet-là, la grande majorité, peut faire par main doeuvre étrangère, avec l'équipement et les sources avec matériel, mat matériaux sortis de l'étranger, et n'en a très, très peu d'effet sur l'économie mauricienne. Pareil que moi, je me rappelle, le ancien gouverneur bassan 3 qui Et ce qui nous peut prendre, ce de projet qui nous peut faire, il sonne bien le papier mais en fin de compte, il n'y a pas grand-chose. Moi, je me aujourd'hui, ça 5 milliards de rupies dépensées. Le euh, stade Côte euh, à quoi ça ne sert à nous sert, à apporte un gros gaspillage de fonds pour Maurice. Ça 400 millions de rupies dépensées à Liverpool, alors que nous, 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 nos frontières complètement fermées depuis un an par rapport à notre gros gaspillage. Et en même temps, les GAO, oh, comme ça, qui perdent la main pour tout près, donnent nous vaccins cadeaux. Pour moi, c'est un, 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 un trompe de, 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 de logique, de logique trompe de, de priorité, quand nous dépensons casse, gaspillés par ici, et quand nous demandons cadeau pour ben nous faire comme un vaccin pour la population. Euh, docteur Dioumaïdia, est-ce que... Un one il y a suffisamment de respirateurs. Oui. Mais on ne sait pas comment s'y livrer. Mais est-ce qu'il s'y livré? Mais qui qu qu fait une passe commande 50 respirateurs il, il y a suffisamment. Là. Exactement. L'Éthiopie y a suffisamment de respirateurs, mais en même temps de chiffres. Je dis oui, n'en suffisamment de tout ce, de tout ce qu'il besoin, mais en de de chiffres. C'est ça le problème. Mais est-ce qu est qu'à votre avis, le gouvernement aurait dû euh, confiner le pays totalement au lieu de confiner euh, euh, trois circonscriptions euh, strict, strictement Confinement là, totales, il est total. Parce qu'il n'y a pas le cas, Si nous du... bien, si bien les presque total, confinement là. Les, comme la dernière fois là. Hein? Sauf qu'avec raison, je ne laisse le supermarché ouvert parce que du ne nous pas manger. Et donc, il y a un équilibre à, à prendre entre les besoins de la, de la santé publique et les besoins de la population de se nourrir et, et, et de survivre. Donc ça nous inquiète bien. Et si la police applique bien les bah, mesures de confinement existantes, vous pensez quand même qu'il y a un confinement sévère qui euh, vient fait, de mettre là. Vous ne pouvez pas avoir le travail sans vous gagner une WAP. Vous ne pas avoir de sortir sauf à la pharmacie, sauf au supermarché. Ça aussi, aussi vous ou en ordre alphabétique. Donc, le euh, confinement-là, il est presque total de toute façon. Après, on a dit, oh, fait, on va met, mettre la clé dans la, dans, dans la case. Qui d'autre est capable de faire Vous ne pas supposer de toute façon. Vous pouvez d'un endroit à un autre, sauf si vous n'en voyez pas. Oui, c'est Patrick, Saint-Pierre Express. Oui, Patrick. Est-ce qu'il y a une indication qui est possible renvoie renvoyer la rentrée parlementaire je pense je qu'il y a une coïncidence qui fait mettre euh, confinement le jour qui fait de mettre et pour 16 jours qui couvre euh, le 23, plus un 2 jours encore. Je pense qu'encore une fois, des points une excuse pour ne pas siéger et ça, nous ne pouvons pas accepter, comme on dit, où? nous devons siéger, mais nous devons siéger, pas pour la vétérinaire, Bill, je ne pas ce qu'ils ont fait pour donner, mais nous devons siéger pas nous payer, nous avons cause contre vétérinaire, hein, mais nous bien siéger. 6. L'osa special agenda de COVID-19. Et nous fin finissons en Angleterre, comment pendant le Brexit, finissons une session parlementaire à répétition concernant le Brexit. Toutes les conditions du Brexit. Et c'est même, même qualité été session-là, qui nous venons. Pour je suis à la décision euh, du ministère de l'Éducation pour le maintien des examens de SC et de HSI, qui peut commencer le 22. Je voudrais dire qu'il là, je ne suis pas capable comment, euh, euh, et d'une façon experte l'éducation. Nous pourrions venir no, ça, no, ça avec avec commission éducation. Je ne suis pas capable de euh, prononcer pour l'instant. Mais je connais qu'il y a beaucoup de parents qui sont bien euh, choqués et bien disturbe pas ce qui peut arriver en général dans le système d'éducation. C'est tout? C'est bon? Merci beaucoup, tout le monde, camarade. Sinon, nous faisons une record La plupart, ça va ça sa session là aujourd'hui. Donc, c'est si nécessaire. Ben bien, camarade, mon car, vous êtes recording si mon petit bouton vous a raté. Merci beaucoup, donc, c'était une première pour moi et mon remercie de tout pour votre présence à travers le web ce matin. C'était une première pour nous aussi.